Je m'appelle Catherine Rondeau, je suis artiste en arts visuels et je représente le secteur citoyen. Je pense qu'il faut cesser d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur et en tant que citoyen, au niveau individuel, on peut faire beaucoup de choses, des petits gestes qui ont un impact réel sur nos vies et sur la communauté. Je me suis donné comme défi, en fait, de faire un potager, de faire pousser des légumes pour pouvoir les conserver aussi le plus longtemps possible. Comme ça, ça réduit les visites au supermarché, ça réduit l'emballage. Qui dit potager, qui dit forcément compost. On a construit 3 composteurs et puis j'adore le compost. Pour moi, il y a quelque chose de magique à jeter mes restes de table, mes épluchures d'oignons et tout, et de laisser ça aller et ça devient de la terre. Et c'est génial, il n'y a pas de perte, tout est récupéré et ensuite ça retourne dans le jardin puis ça aide à faire pousser des légumes. C'est magique. Je dirais que c'est assez élevé. Je me mettrais ça à 4,5 sur 5 facilement. Il y a tellement de facteurs à considérer. Juste la gestion de l'eau, par exemple, avec la sécheresse qu'on a eue au début juin, c'est quelque chose, ouais. J'apprends, il y a des défis, il y a des bébites, il y a des ravageurs, mais bon, petit à petit, j'espère qu'au mois d'août, il y aura des récoltes assez conséquentes. On verra en tout cas.